Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une dizaine de couleurs qui sont assez chouettes. Donc je remercie Dr Cruel pour m'avoir aidé à faire les couleurs. Donc pour plus de simplicité, je vais mettre CP et CS pour couleur principale et couleur secondaire. Donc c'est parti avec la header. Donc pour la header, il vous suffira simplement de mettre couleur principale et couleur secondaire, donc métaux or pur plus un nacré vert lime. Donc pour ceux qui ne savent pas comment mettre un nacré sur des couleurs comme métaux ou mat, je vous invite à aller voir un ancien tuto où j'explique comment faire. Je mettrai le lien dans la description. Donc ensuite, pour la Banshee, couleur principale et secondaire, ça va être du mat gris plus un nacré jaune racing. Donc bien sûr, c'est pour vous donner des exemples, vous pouvez faire des variantes, libre à vous de faire vos propres peintures, pardon. C'est juste pour vous donner des petites idées. Donc ensuite, la Zantourno. Donc en couleur principale et secondaire, on va mettre du métallisé vert marin, plus un nacré jaune ou jaune racing au choix. Ça peut donner à peu près le même résultat avec quelques petites nuances. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, c'est vous qui, à vous de, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc pour la comète, couleur principale et secondaire, ce sera métallisé vert olive plus un nacré bleu ultra. Ensuite, pour la Carbonizar, couleur principale et secondaire, métallisé bleu ultra, plus un nacré rose shifter. Ensuite, nous passons à la deuxième rangée, donc la Z-Type, couleur principale, métaux acier brossé, plus un nacré bleu racing, et en couleur secondaire, ce sera un métallisé vert olive. Donc on passe à la Sabre Turbo, qui a une couleur principale et secondaire en métallisé rouge lave plus un nacré mauve shifter. Ensuite la Peyote, donc couleur principale et secondaire, ça va être métallisé mauve Spiknaker plus un nacré jaune racine. Ensuite l'exemplar, donc pour l'exemplar, couleur principale et secondaire métallisé vert olive plus un nacré vert lime. Et pour finir, donc la Turismo GT, qui est l'inverse de la Sab Turbo, donc couleur principale métallisé mauve shafter plus un nacré rouge lave ou une formula au choix. Et comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez, libre à vous de faire les nuances que vous voulez, c'est juste pour vous donner des exemples. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.